Ciao, ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Nous, ça va bien, je dis nous parce que je serai pas tout seul. Aujourd'hui, normalement, j'avais prévu de venir tester l'Hexacopter de chez Flywoo. Vous le savez, on avait fait l'unboxing avec Yacine, on vous avait dit un peu ce qu'on en pensait par rapport au concept. Et aujourd'hui, j'avais prévu de le tester en vol, donc de faire un petit vol à vue, de faire un petit vol en FPV, en lipo, et pourquoi pas même de le tester avec une Lion 3500 mAh, accompagné, je sais pas si vous allez m'entendre, accompagné de la GoPro Naked. Alors là, tout de suite, là, je vous vois plus parce que je pleure, parce qu'il y a un vent de malade. La preuve en image, puisque j'ai ma manche à air qui en peut plus de la vie, on m'a expliqué qu'il n'y a pas longtemps que c'était un anneau de couleur pour 5 nœuds, et là, il n'y a pas assez d'anneaux pour calculer la force du vent. Aujourd'hui, je ne serai pas tout seul, donc si jamais il y a trop de vent, on doit être entre 50 avec des rafales à 70-80, je pense, au niveau du vent. Donc si on n'arrive pas à faire voler le petit Hexa, qui est quand même un appareil de 200 grammes, un peu moins de 200 grammes, on vous fera des images quand même, parce qu'aujourd'hui, avec moi, il y a forcément Yacine. Yacine ! Oui ! Yacine ! Oui. Salut mon Yacine ! Donc Yacine est là aujourd'hui, et donc pour ceux qui étaient intéressés par le petit appareil de Yacine, le Vega Gravity. Le Vega Gravity, bah écoutez, enfin, la frame. Et ton montage, si on n'arrive pas à faire voler l'Hexa, on volera avec le Vega Gravity et on vous donnera notre ressenti tout simplement et quelques images avec le Vega. On n'est pas seul, il y a aussi Pierrot aujourd'hui. Coucou les amis. On profite du beau temps, on est sorti, on est sorti en famille. Donc voilà, toute la famille Taskiller est là. Puisque c'est eux que vous retrouvez généralement sur les vidéos. Yacine en particulier, je sais que vous l'attendez tous, et vous hurlez quand il n'est pas là. Bref, aujourd'hui, on va commencer, je vais mettre en route le petit Hexa, on va lui mettre une petite 4S lipo pour tester un vol à vue, déjà voir comment il réagit avec le vent qu'il y a là, voir si c'est pilotable, et si jamais c'est pilotable, eh ben écoutez, on partira en FPV, et on vous donnera nos impressions au fur et à mesure. Mais je doute énormément. Ouais, hein? Je pense que ça va être compliqué. Ça va être chaud. Faut voir. Non. Faut voir. Ouais, allez, bah tout à l'heure. Tu te pisses dessus depuis tout à l'heure. Ben, on est là, tant qu'à faire, on y va. Hein? Allez, c'est parti. Bon vol, les amis. Yep, les amis. Bon, bah j'ai installé la petite 650 mAh dessus. Donc en plus, c'est une 4S. Mais en plus, c'est pas la plus lourde de toutes. On testera tout à l'heure avec des 850 mAh. J'ai emmené une O-Line, la 850 mAh. Et également une petite Kratos 850 mAh. Vous saurez que pour le même poids, la O-Line est beaucoup plus petite, beaucoup plus compacte. Donc on verra justement si les O-Line sont plus intéressantes que d'autres marques, tout simplement. On va voir tout de suite ce que ça donne. Alors le problème du vent, c'est qu'on va certainement avoir de la vibration. Donc je pousse en avant, je lâche tout. Vous voyez à la vitesse à laquelle il revient, il est vraiment poussé. Donc je pense qu'on va réussir à voler, c'est sûr. Par contre, il y aura certainement de l'incidence au niveau des vibrations sur l'image de retour. Oh là là, ça y est, des petites rafales. Je ferais bien un test de punch, mais faut que j'aille assez loin. Donc test de punch en 4S dans 3, 2, 1. Oh là là, il revient à une vitesse. Et là, j'ai le soleil en pleine tronche. Donc pas facile, hein. Pas facile avec ce vent-là. En tout cas, il a l'air sain. Ah ouais, dès que je reviens vers moi, ça revient à une vitesse. Je suis obligé de contrer assez fort pour rester en stabilisé, vous voyez. Même là, il a tendance à reculer un peu. Bon bah écoutez, hein. En tout cas, ça vole. Ça m'a l'air bien sain au niveau du bruit des moteurs. Donc on va s'équiper, on va partir en FPV. Allez, je refais un petit test de punch. Par contre, je vais essayer de ne pas me trouver vers le soleil parce que c'est assez difficile. Allez, on y retourne. Dans 3, 2, 1. Oh, ça va, il y a quand même un peu de répondant. Allez, on va se poser. C'est parti pour le premier test en FPV. On va donc mettre la petite O-Line tout de suite en 850 mAh et sans caméra, sans la Naked. Yep les amis, c'est parti, premier test, on a nos 12 satellites, ça a pris à peu près 1 minute 30 pour tous les avoir. Donc je mets en mode accro et le vent se lève. Alors je vais passer tout de suite en 50 milliwatts et j'augmenterai. Ouf, allez, allons-y, soyons fous. Bon vol peut-être.
Alors, donc on sent bien les petites vibrations. Alors, je sais pas quoi, je sais pas ce que t'en penses, Yacine, mais bah, on t'entendra pas, t'es loin du micro. Plus loin, mais je peux me rapprocher. Regarde où tu vas. Mais les moteurs dans le champ de vision, je trouve ça plutôt fun en fait. Sachant que c'est pas, c'est juste le DVR, c'est pas les images qu'on va ramener en HD, bien sûr. En HD, ouais. Alors là, ça va être difficile. Là, j'ai le vent de travers en fait qui vient de la gauche. Mais par contre, ça m'a l'air d'être un drone bien loqué. Bah avec le vent qu'il y a aujourd'hui, vu comment ça vole, ouais, sans vent, ça va être vraiment top. Donc là, je suis face vent. Et ouais, alors après, je sais pas les réactions qu'il aura en freestyle, mais au niveau smoothie, au niveau stabilité, ça m'a l'air énorme quand même. Hein. Quand je vois le vent qu'il y a, c'est plutôt impressionnant. Alors bien sûr, on va pouvoir tester aussi le Return to Home, mais je pense qu'il va falloir que je coupe de bonne heure parce que... le RTH là, avec le vent qu'il y a. Il va te le ramener très vite, ouais. Ouais, c'est clair. Donc là, je suis à 300 mètres, donc normalement, c'est bon. Donc je vais tenter le RTH. Tac, activé. Je coupe les gaz à zéro. Alors, est-ce qu'il va bien contrer ? Ouais, il revient vite. Hein. Ouais, il revient très vite, ouais, c'est sûr. 77 km/h. Et il compense, t'as vu, il tourne vers la droite. Prend de l'altitude. Ah ouais, regarde, il force. Il force pour revenir. Donc je récupère le contrôle. C'est pas là, c'est là. Hop. Et là, je suis face au vent. Oh là là, là, là ça souffle, c'est impressionnant. Vous allez l'entendre dans le micro de toute façon. Hein. Mais non, c'est pas vrai. J'ai pas perdu la télémétrie. Ah ouais, ouais, c'est énorme. Hein. Au niveau là, faut mettre du throttle pour avancer. Hein. Là, à contre-vent, c'est impressionnant. Hein. Donc là, je rappelle que la LiPo, c'est la O-Line 850 mAh que j'ai mis à l'intérieur. Donc je veux pas trop forcer. Je ferais bien quand même une petite figure ou deux pour voir ce que ça donne. Ah, c'est pas mal loqué. Sur un petit roll simple. Ouais, par contre, c'est ultra smooth, ultra précis. Franchement, j'ai hâte de retester avec un vent nul, enfin du moins un vent moins fort que ça. Et là, t'as mis tes rates Là, j'ai mis mes rates. Non, j'ai juste... oui, enfin j'ai mis mon expo. Ouais, ton expo, ok. J'ai mis mon expo à plus 20 comme d'habitude. Et voilà, je suis poussé, c'est énorme. Prends pas le risque avec les arbres. C'est énorme. La force du vent, là, me propulse. Par contre, hyper simple à maintenir au niveau altitude. Et encore, le vent m'aide pas, ça c'est clair. Oh, même moi, j'ai du mal à tenir, ça, le vent me pousse. C'est impressionnant. Je suis là, je t'assure. Ouais, tu m'assures, ouais. Va falloir me sangler. Hein. Hop, tiens, je vais rester en stabilisé, regarde. C'est impressionnant. Là, je ne mets pas de direction. Là. Vous savez comment je suis poussé sur la gauche, c'est impressionnant. Hein. Ouais, on a un vent facile à 60-70 km/h. Hein. Ah, les moteurs, on les entend pas. Hein. Ouais, c'est vraiment tout doux. Hein. On peut essayer de se rapprocher un petit peu. Pourtant, on est dans le sens du vent. Pourquoi elle me dit que j'ai de la télémétrie perdue? Ouais, c'est parce que j'ai réglé mon truc trop bas, je pense. Je devrais même pas le régler pour ça. Là, j'ai senti les vibrations. On les voit, les vibrations du vent. C'est clair. Là, faut peut-être pas que je me rapproche trop près des branches. Ah, c'est chaud. Hein. Là, je suis un peu face au vent. Ah là 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 là, c'est énorme. C'est énorme la poussée du vent. Là, si je veux faire une ligne droite, hop, voilà, il faut que je me mette sur le côté là. Ah, regarde. Pour suivre les lignes. Et encore, même pas assez, dis donc. Je suis encore poussé sur la droite. C'est impressionnant. Bon, par contre, il tient bien. C'est vraiment super loqué comme engin. C'est clair que ce sera pas un freestyler de fou, même si c'est pas le jour vraiment pour tester ça. Mais par contre, au niveau cinématique, je pense que c'est le drone parfait pour ceux qui veulent faire du cruising et de la cinématique. On a une stabilité dans les commandes qui est impressionnante.
Et est-ce qu'un un débutant pour toi pourrait partir là-dessus? Bah, au niveau de la résistance du drone, je pense pas. Maintenant, un débutant qui veut être, qui veut voler tranquillement, du style cruising, sans prendre de risques, pouvoir s'éloigner un petit peu et faire de la cinématique, ouais, c'est plutôt sympa parce que c'est hyper loqué, donc c'est précis à piloter, même si là on est déporté par le vent, bien sûr. On a une bonne autonomie quand même, parce que je fais un petit peu le cacou. Ouais, puis avec le vent à contrer, ouais, ça va. Donc on voit les oscillations, hein, dès que je baisse les gaz. Mm. Mais c'est vrai que les 6 moteurs doivent aider, hein, je pense, à la stabilité. Ça, c'est clair. Mais voilà, regarde, la ligne droite, pas droite, c'est impressionnant. C'est très 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 chaud à piloter avec le vent qu'il y a. Et pourtant, je sais pas ce que le rendu des images pour toi, Yacine, parce que toi tu as le masque DJI avec mon récepteur analogique. Ouais, c'est ça, et bah en vol, on voit que t'as du vent, mais on se rend pas compte qu'il y a autant de vent en fait. Ouais, si on sent, enfin, ça bouge, hein, ça bouge quand même. Toi après dans les commandes sûrement, mais... Ça bouge quand même pas mal. Après la là, caméra, si elle est pas ouf, hein. Elle est bien. Mais... Ouais, c'est la petite Ant, franchement, elle est plus que correcte. Elle est plus que correcte. Hein. On a vu pire que ça. Hein. Ah oui, oui. Mais là, ouais, tu vois, le pire, c'est ça, c'est face au vent avec le soleil dans la mire. Et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de vibrations, enfin, pas plus que ça, j'ai envie de dire. Donc, ouais, et puis l'autonomie, franchement, pour une petite lipo 850 mAh, voilà, j'ai pas fait que du cruising. Il tient bien. Ouais, et puis t'as volé face au vent, hein, donc... Ah, là, on voit, on sent les vibrations, là. Là, c'est violent. Qui c'est qui bipe? Ça doit être moi parce que j'arrive à 14 volts, mais je suis avec une Lion. Ah oui, dans le masque. Avec... Oh là 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 là, c'est impressionnant les rafales. Je pense qu'on les entendra dans le micro. Vous voyez, je suis en ligne droite là. Tiens, je me mets en ligne droite par rapport au. Ah, ce décalage, il est impressionnant. Ouais, bah en tout cas, plutôt satisfait quand même. Hein, parce qu'au niveau du retour d'image, c'est plus que correct. Alors, il va falloir que je me pose. Avec le vent dans le dos, c'est pas top, mais bon, on va y arriver. Ouais, le retour d'image est bon, le VTX fonctionne bien. Donc là, j'arrive à proximité. Hop, je peux baisser mon VTX. Hop. On va venir se poser tranquillou. Faut que je compense en arrière. Oh là 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 là. Cascade ! Mais on est posé ! Yep, les amis, bon, bah, j'ai installé la Lion 3500 mAh, une 3000 aurait été mieux, j'ai eu du mal à tout mettre, avec la petite GoPro Naked. Et on va voir, en alourdissant un petit peu, si on gagne en stabilité, et si on perd en... C'est plus lourd, tout de suite, c'est beaucoup plus lourd, j'ai besoin d'un peu plus de throttle. Donc forcément, la Lion 3500 mAh est beaucoup plus lourde, hein, on frôle les 200 grammes, donc plus la Naked... Là, j'ai beaucoup de mal à avancer. Rafale. J'espère que... D'habitude, je veux pas qu'on entende le vent dans le micro. Là, j'espère que vous entendrez quand il y a une rafale. Si, la batterie était full, mais avec une Lion, ça fait toujours ça. T'as toujours une grosse décharge au départ. Elle était bien à 4,2. Mais ce qu'on a vu avec Yacine, c'est que tu as souvent une bonne décharge au départ et qu'après ça stagne vachement plus longtemps. Et puis celle-ci, on peut la descendre dans les 8. De 8, ouais, enfin de 8, faut se poser quoi. Hein. Oui, tu te poses à 2,8. Ah, ça, j'aurais dû baisser l'alarme radio commande. Parce qu'il dit ça alors que j'ai tout. Donc là, bah, on emmène sans problème. Hein. En tout cas, les 6 moteurs bah, servent à ça, on le sait. Ah là 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 là, c'est terrible, rafale, ça se met à souffler grosse de plus en plus. Donc là, vent dans le dos, il prend de la vitesse. Et on se rend plus compte des vibrations quand on a le vent dans le dos. Oh là là, faut vraiment anticiper, c'est de pire en pire. On est en pleine tempête, les amis. Ah, je vais essayer de garder le vent sur le côté.
Ah, c'est vraiment pas le temps idéal. Donc je pense que la GoPro Naked va gommer un petit peu les secousses. Mais on voit bien que les petites vibrations qu'on a à l'image en FPV, c'est vraiment dû au vent. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de retester. Ouais, faudra faire un test en bonne condition. Ouais. Ouais, je pense, ouais. Mais en l'occurrence, franchement, je trouve que c'est vraiment un excellent drone pour tout ce qui est cruising, prise de vue, cinématique. Voilà, je galère l'arrière, je suis en marche avant, mais j'avance, voilà, je suis à 22 km/h. T'es full trot là? Non, je suis pas full throttle. Mais faut éviter. Faut éviter aussi avec. Au max de la puissance que tu peux mettre. Non, je peux aller un peu plus vite, mais le problème c'est que je vais décharger la batterie pour rien. Donc là je veux pas trop forcer non plus. Là, d'accord. Si je le laisse dériver tout simplement, tiens, il y a un truc qui pourrait être drôle, c'est que je le mette en stabilisé. Voilà. Et je maintiens juste les gaz et on va avoir la vitesse du vent, regarde. 57 km/h la vitesse du vent. Là je maintiens juste les gaz. Hop, je contre. Donc voilà, on sait qu'on a plus de 50 km/h de vent. Ça c'est clair. Donc ouais, vraiment pas le temps idéal pour le tester. Mais j'ai envie de dire, ça permet de voir en conditions extrêmes ce que ça peut donner. Ah oui, c'est carrément manœuvrable. Donc forcément, on va avoir une alerte low batterie, puisque là, je suis réglé en low batterie pour de la lipo. Mais on est loin d'être en low batterie. Après, ouais, franchement, je suis étonné de la stabilité par rapport au vent qu'il y a. Donc en fait, j'ai envie de dire pourquoi un hexacoptère plutôt qu'un hexacoptère en 4 pouces comme celui-là, plutôt qu'un 5 pouces comme par exemple un 5 pouces light, comme le Recon. Bah, j'ai envie de dire que on a une super bonne stabilité, ça c'est sûr. Je dis pas que c'est mieux que le Recon hein, par exemple, mais on a une extrêmement bonne stabilité avec une possibilité d'emmener du poids pour un 4 pouces. Ça veut dire que là, un autre 4 pouces avec la Lion plus la Naked, galérerait un peu plus à l'emmener. Donc mis à part ça, je pense que sinon l'intérêt c'est vraiment d'avoir sur son étagère un drone avec 6 moteurs quoi. On en avait parlé hein, Yacine, hein, c'est vrai que... Bah après le test aurait été intéressant avec l'autre Flywoo Explorer qui a 4 moteurs du coup. Ouais. Et de voir comment les deux se comportent face au vent là justement aujourd'hui. Est-ce que les 6 moteurs ont une incidence dessus en fait? Je pense simplement pour la bonne raison déjà, c'est qu'on peut emmener un peu plus lourd et que qu'on améliore la stabilité avec 6 moteurs. Le LR Explorer, le 4, on l'avait vu, déjà on peut pas mettre aussi lourd. Non. Donc il va se retrouver automatiquement plus léger, puisqu'à la base déjà il est plus léger que l'Hexa. Donc le vent aura forcément une bien plus grande incidence, que ce soit au niveau des vibrations ou au niveau de l'autonomie. Parce que 6 moteurs, on force forcément moins, même si là on force énormément, on forcera quand même moins qu'avec un 4 moteurs. Et tu penses pas que ça peut économiser aussi de la batterie, vu que c'est réparti sur 6... Si, carrément, pour le concept, pour ce concept-là, en version 6 moteurs, c'est des moteurs assez économes déjà, mais c'est surtout, j'ai envie de dire, si tu mets du poids dessus, quoi. Si on met du poids dessus, automatiquement, on aura plus d'autonomie là-dessus que sur un LR Explorer. Ouais. Et je pense que ça va être du kiff-kiff par rapport au Recon. J'ai envie de dire qu'on aura l'équivalent avec le Recon en 5 pouces au niveau du poids, au niveau de la possibilité de porter. On va avoir l'équivalent aussi au niveau pilotage. Sauf que là, on va être en 4 pouces et qu'on aura un 6 moteurs, quoi. C'est pour ça que j'ai envie de... Je ne sais pas ce qu'on va dire dans la conclusion, mais j'ai vraiment envie de dire que pourquoi un 6 moteurs? Avant tout pour le kiff. Pour le kiff d'avoir un 6 moteurs, d'avoir un hexacoptère, quoi. Parce que sinon, si on me donnait le choix entre celui-ci ou le Recon 5, au niveau des performances et du style de vol, encore une fois, il faudrait tester les deux, l'un à côté de l'autre, sans le vent. Mais j'ai l'impression qu'on est vraiment kiff-kiff. Après, c'est vraiment une question de style.
Donc là, avec la Lion, je sais pas si c'est pas trop fait pour le... Oh si, on peut quand même faire des petites figures, c'est clair. Bah tu vas pas faire un power loop. Oh, quoi que tu sais. Il est capable. Ouais, hein. Bah, puis tu vois, là, on arrive à 3.30, 3.35 au niveau de la batterie. Et bah, c'est vrai qu'on est toujours en train de combattre, hein, de toute façon, le vent. Ouais. Mais au niveau autonomie, là, on peut descendre ouais, à 3 volts, voire 2,9 volts avec une Lion. Donc, on aura franchement une bonne autonomie. Un jour sans vent, on va taper les 12-15 minutes, j'ai l'impression. Hein. Ouais, carrément. En cruising, hein, je parle. Hein. De toute façon, pour le freestyle, c'est pas vraiment fait pour. Hein. Mode balade, ouais. Comme ouais, on dit. Une bonne petite balade dans les montagnes en cinématique, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai même vu une vidéo, je sais plus trop si c'est. Ouais, c'est Dave C, je crois, bah, c'est le concepteur. Lui, il vole entre des arbres dans une forêt. Et c'est pas pour vanter son matos parce qu'il est super honnête dans ce qu'il dit. Il dit bien qu'il n'y a pas un gros avantage à avoir un Hexa par rapport à un bon quad 5 pouces, mais il est un peu d'accord avec moi sur le fait où c'est aussi une question de kiff, le fait d'avoir un truc 6 moteurs, quoi. Ouais, moi j'ai ça, c'est rigolo, mais par contre, ouais, super maniable dans la forêt, bien loqué, super précis, et c'est vrai que c'est la sensation que j'ai en le pilotant, malgré le vent encore une fois, j'ai vraiment une sensation de précision et... Stabilité ouais. Et fluidité du vol, ouais. Donc ouais, stabilité, les 6 moteurs jouent énormément, j'ai l'impression. Bon, je vais pas pousser à fond, c'est pas la peine. Là, j'arrive à 9 minutes en ayant combattu le vent. Franchement, je suis à 3.17 et je peux descendre encore. 10 minutes facile. Donc, ah bah 10 minutes facile, oui. Mais le vent, ça joue énormément. Hein. Comme on l'a vu là, un vent à 40 km/h. Ouais, je pense qu'en condition normale, le quart d'heure, c'est faisable. Salut. Mais on l'entend vraiment pas. Ouais. C'est... Même le bruit est smooth. Ouais, bah ça c'est aussi les bipales. Le fait d'avoir du bipale, ça joue énormément. C'est clair. Donc vraiment, bonne autonomie. Donc là, on va se poser, on va pas faire durer beaucoup plus longtemps. L'OSD, il est en PLS. Ah bah l'OSD, il en peut plus de la vie, hein, ça c'est sûr. Hein. L'OSD, il clignote. Là. L'OSD, il se dit, mais c'est un grand malade. Mais c'est quoi, il prend pas soin de ses batteries, quoi. La batterie va prendre feu. Oh, génial. Là, c'est chaud. Ouais. Yes. Yeah. On est là. Allez, c'est parti! Yacine est aux commandes. Alors effectivement, oui, c'est très smooth au niveau des... N'hésite pas à parler fort, hein, Yas. Ouais. Alors attends, je vais t'augmenter le VTX. Ah oui, je veux bien, ouais. Tac. Ah, nickel. C'est quand même pratique, hein. C'est pratique d'avoir les petits boutons là qui commandent pour directement la puissance du VTX. Ouais, c'est top. Hein. Alors oui, effectivement, le vent, faut Ah, c'est monstrueux, wow, 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 c'est wow. Monstrueux. Et là, on est en vent constant, là, on n'a pas de rafale encore, tu ça vois. Va, ouais. Si jamais tu prends une rafale. Là, je teste en faisant des longueurs de côté. Ah oui, c'est et impossible de suivre une ligne en étant droit. Tu peux pas suivre, ouais. Mais. Non, il se bat très bien. Je m'attendais pas à ça. Pour je un drone si pas léger. À ça. Non, carrément. Bon, après, ouais, ça vibre. Ça, c'est normal. Ah forcément, j'avais des glitches, mais j'étais en train de te regarder. Faut mieux que je regarde le drone. Ah, elles sont pas mal, hein, ces petites antennes pro drone là. Là, t'es déporté avec le ah, vent. Ah, je suis déporté, c'est impressionnant. Et alors là, ouais, la vitesse que tu prends une fois que tu l'as dans le dos. C'est grave, hein. Mais par contre, t'as vu, hein, on sent tout de suite qu'il a vraiment une super stabilité. Ouais, alors en fait, il n'y a pas de mouvement parasite du drone, en fait. C'est ça, c'est ça. En vidéo, je pouvais pas te l'expliquer tout à l'heure parce que j'avais pas les commandes. Ouais. Et là, je m'en rends compte, en fait. Alors, je pense que c'est là où doit jouer l'Hexa.
Le fait d'avoir six d'avoir six moteurs. Ouais. T'as pas tous ces petits mouvements parasites quand tu veux récupérer Et c'est un petit peu ce que disait Dave C, justement, comme je te disais tout à l'heure, en volant dans la forêt. D'accord. Et en volant entre les arbres, il volait bon, à vitesse réduite, hein, tranquille. Et oui, voilà, c'est un petit peu ce qu'il dit, dans le sens où il n'y a pas de mouvement parasite. Il reste bien sur la trajectoire que tu lui donnes. Et mais c'est hyper précis. Et c'est hyper précis, voilà. Je suis impressionné de la précision. Que tu lui mets une direction, bon là, il y a le vent, voilà. Avec le vent qu'il y a, tu peux improviser des figures que tu fais pas d'habitude. Non, mais là, tu vois, sur les genre un virage avec un peu de gaz et que tu reprends le vent derrière, là, hop, tu te sens directement... Projeté, ouais. Projeté. Et c'est là qu'il faut faire hyper attention. Il faut anticiper. Et en fait, faudrait même avec un vent comme ça, bon, faut éviter de voler, quoi. Oui, normalement, normalement. Oui, on vole pas avec ce vent-là. C'est pas le temps idéal pour faire de la cinématique. Ou... Bon, après, si, t'as un gros 5 pouces, tu veux faire du freestyle, tu peux t'éclater. Hein. Oui, tu vas t'éclater. Un truc qui pousse en 6S, tu peux y aller. Hein. Tu vas t'amuser. Par contre, c'est pas avec ce vent-là où tu vas t'amuser à faire de la cinématique propre. Ah, t'auras pas de belles images, non, c'est sûr. Bah, ça va être difficile, ça va être, ça va être difficile. Même avec la stabilisation après, bon. Si, en forêt, tu dois pouvoir, tu sais, en volant tranquillement, t'es, en plus, t'es un peu à l'abri du vent. Mais là, sur des grands espaces comme ça, bon, y a pas de gros intérêt. Mis à part l'intérêt du test, justement, de voir les réactions avec une météo un peu extrême au niveau du vent, quoi. Mais ouais, c'est un vol ouais, très smooth. Très apaisant, c'est... t'as envie de te balader. Quoi. C'est ça. Et je te dis, ça doit être impressionnant par avec un jour sans vent. Ça doit être encore plus impressionnant que ça, quoi. Là, t'as envie d'aller, ouais, filmer du paysage, quoi. Ah, franchement, les mecs qui habitent en montagne, hein, la chance, quoi. Ouais, c'est ça, c'est clair. Carrément. C'est vraiment le drone pour. Voilà, c'est le 4 pouces pour le cruising et la cinématique. On a vu qu'en autonomie, c'est bon. Après, au niveau du VTX, donc là, moi, je suis en analogique. On a aussi la version numérique HD, ouais. Ouais, okay. Pour ceux qui veulent pousser encore plus loin. Mais avec un VTX de 600 mW, je pense qu'on peut déjà aligner pas mal. Après, comme je le répète, le long range, voilà, c'est pas forcément autorisé. Je préfère dire long time, comme tu le sais. Et puis, se prendre un périmètre autour de soi, aller jusqu'à 300, 400 mètres de diamètre, c'est déjà pas mal, ou de rayon. Ah, sur le yo, il est bien, franchement. Oui, je te dis, puis pour avoir une réponse correcte avec ce vent-là, c'est vraiment que... c'est qu'il est propre, quoi. Et voilà, t'as plus le contrôle, là, c'est... Il rentre tout seul. C'est lui qui pilote. Non, puis franchement, voilà, au niveau... Oh là, c'est pas nous, ça fait drôle, d'ailleurs. Il y a Pierre qui est en train de jouer avec son petit tiro à côté de nous et ça fait drôle de voir notre drone loin et d'avoir les bruits d'avoir à côté. Les bruits à côté. Tu te dis mais c'est chelou. Donc là t'es derrière les arbres. Ouais. Normal. Et là on revient. Ouais. Ah franchement c'est fun. C'est marrant hein. C'est... Ouais balade et tout, cruising comme tu dis. Ouais, c'est ça. T'as pas envie de faire le con. C'est ça. Donc si vous cherchez un drone original... Voilà, j'ai envie de dire qu'il y a l'originalité du 6 moteurs, de l'Hexa. Donc déjà, ça, c'est un gros plus d'avoir un Hexa sur son étagère. Voilà, c'est surprenant. Et ben vous saurez qu'en plus, il fonctionne bien. Voilà, que vous aurez, faut que tu te poses. Ouais. Que vous aurez une bonne autonomie, une bonne portée, que ce soit en analogique ou en numérique. Et ben c'est pas un mauvais investissement du tout. Voilà. Et pour la facilité de prise en main, je trouve que... Pour la question que j'avais tout à l'heure pour un débutant. Ouais, c'est pas un drone de furieux. C'est voilà. C'est pas un drone de furieux, donc oui, pour un débutant, carrément. Il y en a qui vont me dire ce genre de frame, c'est un peu plus light, un peu plus fragile. Après, c'est pas des drones qui sont faits pour le combat. Oh là 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 là. Le vent se lève, t'as pas de chance. Eh ben, gros plan sur Pierrot. Salut Pierrot.
Bon ben voilà les amis, on a réussi à voler quand même avec notre petit Exa de chez Flywoo. Franchement, pas déçu. Hein ? Ben non, vraiment pas déçu. Ouais, voilà, on s'attendait à pire aujourd'hui, on s'attendait même à pas pouvoir faire de vidéo. Et puis à voler avec ton drone. Bon, du coup, on va voler maintenant avec ton drone. Oui. On en parlera plus tard en vidéo, c'est promis, juré, craché. Mais vraiment pas déçu de ce petit Exa. Alors comme on vous l'a dit en vidéo, pourquoi avoir cet Exa plutôt qu'un autre, plutôt qu'un 5 pouces, ben j'ai envie de dire, c'est pas du plutôt. C'est vraiment une question de choix, une question de feeling. Quand on sait qu'on aura les moteurs dans la vue, après ça peut être fun, ça peut être un plus au niveau de l'immersion. C'est franchement pas gênant du tout. Ça ne me dérange pas, moi. Non, parce que c'est l'immersion et c'est pas gênant, ça apporte même un petit truc en plus. C'est vrai que c'est pas... Bref. Donc pourquoi avoir ça? Voilà, bah pour le fun d'avoir un Exa, d'avoir un drone avec 6 moteurs, parce que c'est franchement super joli quand même, ça, c'est original on va dire. Et sinon pouvoir porter également un peu plus lourd qu'un 4 pouces de base avec 4 hélices, pouvoir emmener une Naked avec une grosse Lion dessus, et avoir, on a vu, avec une lipo, on peut aller de 8 à 10 minutes. Jusqu'à, j'ai envie de dire 15 minutes facile avec la Lion, sans problème. Avec un jour sans vent, sans problème. Et si on veut économiser encore plus, j'ai envie de dire. Mais donc voilà, bonne autonomie, bonne portée. Les images de la hante sont plutôt correctes. Et puis il existe encore une fois en numérique. Donc ceux qui veulent en numérique, ils auront forcément une meilleure image. Donc oui, moi je dis oui, je valide pour ce petit Flywoo. Tiens, petite info, j'ai une étiquette sous mon drone. On reparlera peut-être législation pour ceux qui se posent la question. Moi, je préfère encore attendre un petit peu parce qu'il va y avoir des évolutions, des choses qui ne sont pas encore passées. Mais le minimum à faire, vous le saurez, c'est ça. On ne va pas parler de drone de plus de 800 grammes parce qu'il n'y a aucun intérêt pour nous. Nous, on va parler de FPV pour l'instant. Et généralement, les quads font entre 50 grammes et 500, 600, 700 grammes maximum. Donc, vous saurez que le minimum à faire, c'est bien d'aller sur déclarer son drone sur Fox Alpha Tango. Comme ça, vous avez votre petit numéro qui commence par FRA. Vous enregistrez votre drone et au pire, vous passez aussi le petit brevet qui est en ligne sur Alpha Tango. Et puis, faites attention où vous volez, tout simplement. Mais je pense qu'en FPV, voilà. Je ne suis pas sûr que la loi continue de nous pousser, la législation, à avoir un deuxième pilote avec une deuxième radiocommande pour pouvoir prendre la main. Je pense que le minimum, c'est d'avoir au moins un spotter avec soi, quelqu'un qui peut jeter un œil autour de vous, même s'il ne peut pas prendre le contrôle de l'appareil, mais au moins jeter un œil autour de vous pour vous signaler un danger ou ce genre de choses. Je pense que si on en est là, ce sera pas mal. Donc pensez-y, ne serait-ce que la petite étiquette posée sur le drone. Désolé, j'ai regardé avec ma caméra tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'elle ne filmait pas. On va tourner comme ça. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Rendez-vous dans les commentaires. Bon, on a bien géré. Carrément. Bien géré. Moi, ouais, je vais me faire une petite conclusion quand même pour dire que moi, avec mon avis, je vais le recommander quand même pour les débutants. Parce que en termes de vol, l'apprentissage du vol, on va dire, c'est précis, ouais, c'est stable, c'est smooth, et il n'y aura pas de, bon, bien sûr, pas de freestyle avec, faut éviter, mais pour apprendre les bases, je trouve ça pas mal. Il n'y a pas trop de déchets, pas de mouvement parasite, Donc ouais, t'as raison. Moi aussi, je le recommanderais pour un débutant. La stabilité, en fait. La stabilité. Surtout dans ces conditions-là qu'on a eu aujourd'hui. Oui, oui. Puis, c'est vachement bien défendu, quoi. Oui, puis encore une fois, pour un débutant, s'il veut prendre son temps, s'il veut avoir le temps, justement, plutôt que de voler 3 minutes avec un petit drone, tu connais le principe avec le petit drone. C'est frustrant. Voilà, c'est frustrant. Ouais. Là, on met une lipo 850 mAh, on peut voler 10 minutes sans problème, voire plus avec une Lion. Donc ça permet vraiment de le prendre en main, de prendre son temps, de voler en hauteur et puis de ne pas prendre de risques surtout. Et pour ceux qui diront que ce genre de frame, c'est des frames assez légères, assez fragiles, oui, je suis d'accord avec vous. Maintenant, c'est pas des drones pour prendre des risques. Voilà, un débutant qui veut faire de la cinématique, ou balade, de la balade, très bien. Balade. Tout simplement. Donc voilà les amis, on pensait pas pouvoir tourner jusqu'au bout. Là, le vent est en train de se calmer ou je rêve là? Non, limite il s'est arrêté. On recommence tout. Donc merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là, merci les gars d'être venus. Comme je dis souvent, prenez soin de vous et des autres bien sûr, et surtout à très bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao. Ciao ciao, ciao. Oh là là, c'est du cinéma les copains. Donc je précise que c'est la première fois que... Bien joué. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il est chaud, il a tapé une branche et a failli se mettre dans une flaque.
Bien ouais, Jaya. T'as pas enregistré ça? Oh la vache. C'est mal, hein? Ton, c'est un drone vegan, c'est ça? C'est la première fois pour Pierre, le masque DJI, donc c'est la première fois qu'il vole en numérique, tout simplement. Non, dans un cinéma, en fait. On a oui, c'est ça. Fermés, mais en fait, non, ils sont ouverts là. C'est ça, tu veux quoi? Que je t'amène du popcorn, ah, c'est ça? S'il te plaît, ouais, un coca. Donc tu kiffes? Ah, oh, c'est du kiff, mon avis, là. C'est impressionnant, hein. Oh, et encore, s'il y avait un bon pilote, tu kifferais encore plus. Tiens, ça c'est pour toi. Là. J'adore ça. C'est nul à chier. Innocent, innocent. Coupez la parole. Je vais dire ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ou ciao. Ciao ciao. Chou chou. C'est bon là? T'as fini? Je peux couper? Bye bye. À bientôt. Salut. Super. T'as fini? Je peux couper? Bye bye. À bientôt. Salut. Monologue. Ça? Ça, c'est dans l'outro. Non, ça va. Ça, c'est dans l'outro. Bonus, bonus.